Salut à tous les amis, c'est Rick Grimes. Donc aujourd'hui on se retrouve sur The Last of Us Remastered Z. Donc c'est parti là, c'est pour la deuxième vidéo. Donc je vais essayer de me rappeler les touches là, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ok, voilà. Donc dans cette deuxième vidéo on doit suivre Marlène pour l'instant. Et là on va rencontrer une personne qu'on va devoir transporter. Et je vais vous laisser découvrir ça tout de suite. Je vous souhaite une bonne vidéo, les amis. Allez, allez. Oh, explosion là. Ce qu'il en reste. Pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide? Par ici. Oui, je me souviens quand même de plusieurs trucs. J'ai déjà fait le jeu plusieurs fois. Ville, mais il faut des boucs émissaires. Ils ont voulu nous pousser à bout. Comme je vous l'ai dit, on fouille bien partout. Joël, donne-moi un coup de main. Et une fois que c'est fait, on peut s'en aller. Top, des soldats. C'est la sortie. La porte sous le pont. Je suis pas très fan de ces trucs. On peut se faufiler dehors, même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. On doit atteindre cette porte. Ok. Il y a un gros trou là. On fasse le tour. D'accord. On arrive après la bagarre. D'accord, Marie. Pas de soucis. Ah non, je suis déjà mort. Ok. Je sais pas, je me suis trompé de bouton, pardon. C'est pour ça. Désolé. Le but c'était d'être discret. Donc là, c'est bon, y a pas de garde. Là, même accroupi. Là, c'est triangle tout de suite. Ça va se passer beaucoup mieux comme ça, je pense. Ok, soyez prudents. Moi je vais attaquer celui-là.
Il ne reste plus que lui. Ah, je l'avais pas vu. Mince. Ouais, j'en avais, on dirait. Bon, a priori, ce serait bon là. On n'est plus très loin. Bon, je me soigne, hein. C'est jamais. Allez, entrez. Où est-ce qu'on va, Marlène? Par ici. On n'est plus très loin. Comment tu te sens? Plus pour longtemps, mais ça va aller. On est presque arrivé. Le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. C'est quoi la marchandise? Je vous montrerai. Joël, donne-moi un coup de main. Oh. Attends un peu. Relève-toi. T'approches pas d'elle. Lâche-la. Dis donc, tu les recrutes pas un peu jeunes? C'est pas une luciole. Oh, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Mais ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste. Ellie, c'est notre seule chance. Et c'est elle qu'on fait sortir? Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vues. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes, et je pourrai me faire soigner. Mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense la pas merde, que ce soit je une bonne idée. Pas avec lui. Tu les connais d'où? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. T'as qu'à l'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joël. Marlène... Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez! J'ai entendu les tirs, mais... C'était quoi? Les lucioles. Oui, c'est pas mal. Il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. C'est toi l'expert. Moi, je te suis. Par ici. Allez, dépêche-toi.
Là-haut. On pourra atteindre le tunnel nord. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut? Donne-moi une minute. Illégaux? Parfois. Et une gamine, ça se fait? Non, c'est une première. Il se passe quoi entre toi et Marlène, au juste? J'en sais rien. Je suppose qu'on est amis. Amis? Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans? Elle connaissait ma mère et elle a veillé sur moi. Et j'ai 14 ans, même si je vois pas trop le rapport. Et tes parents, ils sont où? C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. C'est ici. Voilà, on est arrivé. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre Marlène. Vitesse. Qu'est-ce que tu fais? Je tue le temps. Et je suis censée faire quoi, moi? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. T'as parlé en dormant. J'ai horreur des cauchemars. Ouais, moi aussi. Tu sais, j'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Il fait tellement noir. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste? Hé, hey, désolée d'avoir été si longue. Il y avait des soldats partout. Comment va Marlène? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt? Ouais. Allons-y. C'est bizarre qu'il nous confie cette mission. Marlène voulait le faire elle-même. Elle n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il restait. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. Allez. Au point de rendez-vous. Elle a dit que des Lucioles avaient fait le voyage depuis une autre ville. La fille doit être importante. C'est quoi ton problème? T'es la fille d'une huile ou un truc dans le genre? Ouais, un truc comme ça. Ça va être encore long. Si tout se passe bien, on devrait livrer à eux d'ici quelques heures. Ellie, une fois sortie, tu feras tout ce qu'on te dit. Et tu resteras près de nous. Ouais. Pas de problème.
patrouille en approche. Ok. C'est bon, montez. Allez, petite. Fais attention. Cette pluie ne va pas nous aider. Je crois pas. Je suis vraiment dehors. Et là, on va avoir des explications pourquoi on doit transporter Ellie. N'essayez pas de vous enfuir. Avancez. Tournez-vous, à genoux. Calmez, j'appelle le QG. Ok. Les mains sur la tête. Ici Ramirez dans le secteur 12. Demande un ramassage pour 3 vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Dans combien de temps? Quelques minutes. Qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Oh, merde. Regarde. C'est pas vrai. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée? Je suis pas infectée. Ah non? Et le scanner alors? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Ça date d'il y a 3 semaines. Non, tout le monde se transforme en 2 jours, alors arrête de mentir. Ça fait 3 semaines, je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège? Je la crois pas. Elle a pas tort, hein. Merde. Tess, cours. Cours! Debout. Allez, cours! Et elle ment pas, la petite. Elle dit exactement la vérité. Là, on devrait devoir échapper aux soldats. Ah, on s'est repéré. Maintenant, il reste plus qu'à courir.
passer par là. Voilà, j'avais pas fait attention. Quoi? Ils sont trop nombreux. Oh merde. Ok. Un garde en moins et on sait même pas faire repérer. On fouille hein, comme d'habitude. Non, y'a rien, on dirait. Merde, merde. Encore des soldats. Cible toujours en fuite. Arrêtez les recherches et présentez-vous au secteur 11. Je crois pas qu'ils nous aient vus. Merci. Tout à vos véhicules. Restez dans l'ombre. Je vais aller fouiller l'endroit avant. Il y a l'air d'avoir plein de trucs ici. Ah, des balles. On est en sécurité ? Non, ils sont encore dans le coin. Reprends ton souffle quelques secondes. Joël, regarde s'il y a des trucs utiles ici. Qu'est-ce que je fais ? Non. Il y a l'air d'avoir plus rien. Ici non plus. Et voilà, je construis un serin, en cas où qu'on verra un claqueur. Tess, en haut, dans ce conduit. On doit pouvoir passer par là. T'éloigne pas, Amy. Ok. Oh, 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 attendez, attendez. Regroupez-vous, il nous rappelle. On retourne tous au mur. Vous avez entendu, regroupez. Ils sont partis. Bon. C'était quoi le plan? Imaginons qu'on t'ait livré aux Lucioles comme prévu. Et après? Marlène, elle a dit que... qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Ouais, on a déjà entendu ça, hein, Tess. Et que... quoi qu'il me soit arrivé, c'est... la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, hey, je t'emmerde. J'ai jamais demandé ça. Moi non plus. Tess, tu peux me dire ce qu'on fout ici. Et si c'était vrai? J'arrive pas.
Mais pense-y. Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors? J'ai compris. Par ici. En coupant par le centre-ville, on atteindra le Capitole à l'aube. J'espère. Maintenant, on va devoir se rendre dans cet immeuble. Enfin, ce qui en reste. Je vous préviens, il est infecté de marcheurs. Les infectés. Des marcheurs, des claqueurs et des infectés, pardon. Le corps est encore chaud. C'est une mauvaise signe. Ouais, peut-être bien. Prenons pas ici. Mais là, on va bien devoir tout fouiller. Parce que dans cet immeuble, on va en trouver des trucs. De toutes sortes. Je sais plus si je peux aller là sur le côté. Ou descendre, je sais plus. Non. On va monter du coup. Des munitions. Ma main, ça. Ok, il faut redescendre. Ah, peut-être là-haut, j'ai pas vu. Non. Bouge pas, surtout. Ah, ici, voilà. Parce que je vous parlais juste avant des claqueurs et des infectés. Mais alors ils sont aveugles. Si on veut. Repère au son. Comme les chauves-souris. S'il y en a un qui claque, cache-toi. Voilà, on va avoir plein de trucs à fouiller. Ça, ça va être bien. On dirait que tout le bâtiment est sur le point de s'écrouler. Oh, encore un objet. Attention à la tête. Allez. Donc là, on fouille encore. Allez, là, on fouille tout, tout, tout. La survie, c'est comme dans The Walking Dead. Donne-moi un coup de main.
Des claqueurs, c'est beaucoup plus résistant que des infectés, hein. Je tiens à le préciser. Les infectés, on peut les étrangler et tout, normalement, se battre avec eux. Tandis que les claqueurs, les seulement les tuer, c'est soit les tuer avec une arme, un pistolet, une machette, un arc. Ou soit avec un serin comme je confectionne de temps en temps. Et les serins, soit on les trouve déjà confectionnés, ou soit c'est à nous de les faire. Comme ceci, pardon. Mais il faut différents, comment dire, ingrédients en quelque sorte. Et là, on peut également construire un kit médical. Et là, alors. Alors là, les amis, comme vous pouvez le voir, c'est une porte bloquée. Donc, on est obligé d'utiliser un serin pour ouvrir la porte. Mais si jamais il faut utiliser un serin, je vous conseille de le faire parce qu'à l'intérieur, vous allez trouver plein d'objets. Des objets, des balles, mais... C'est la caverne d'Ali Baba le plus souvent. Regardez. Hop, munitions. Vous voyez? Regardez combien j'ai de munitions maintenant, 13. Ça m'a vachement aidé, franchement, je regrette pas d'avoir utilisé mon serin. Et là, une bouteille. Et vide. Non. Rien du tout. Maintenant on escalade ça. Il y a un moyen de passer. La voie est libre. Allez, Ellie. Ok, à ton tour. Allez. C'est ça. Ok. Allez. Ok. Ok. Des claqueurs. Oh merde. Go, go, go. Qu'est-ce que c'est les ces claqueurs? En fait, des claqueurs, c'est aveugle comme Ellie l'a dit tout à l'heure. Et ça réagit au bruit en fait. Regardez, je vais faire une démonstration pour tuer le claqueur. Discrètement. Bien sûr. Voilà. Ah. Non, je préfère la bouteille, au moins elle fait plus de bruit. Ouais, très. Allez.
Ah. Un bâton de bois. Oh. Une nouvelle arme. C'est pas mal, hein. Ça peut être utile. Oui, ça, je m'en souviens. C'est quoi ça? Un tuyau, c'est beaucoup mieux qu'un petit bâton de bois. Alors ça, c'est un infecté. Donc lui, on n'a pas besoin de serin pour le tuer. On peut l'utiliser, mais vaut mieux les garder pour les claqueurs. Oh, des munitions. Là-bas, il y a à droite un claqueur et à gauche un infecté. C'est bon. Ils sont tous attirés là-bas. Donc, je crois qu'il y a un seul claqueur. Oh oh. Mauvaise idée. Je suis repéré. Bon, on dirait que je les ai tous su. Ok, descendez. Je crois. Récupère un petit bâton de bois. Tirons-nous d'ici. Ma lampe bug, quoi, c'est abusé. Je vais recréer un. Confectionner un serin, pardon. Enfin, même deux. Comme ça, si jamais je retombe sur des claqueurs, ça va m'être très utile. J'ai pris les deux d'un coup, quoi. Ça passe bien? Ouais. Et hop, encore un serin de plus. On descend. C'est bon, on peut y aller. On peut passer là. Attention. Ok, mais je trompais le bouton encore.
pourrais peut-être souffler un peu. Tu veux souffler un peu? Oui, c'est toi qui parles tout le temps de souffler. Et toi, tu m'envoies toujours chier. Bon. Là, on va rien faire, donc il faut aller ici. Ben mince, il faut aller où? Par là? Non, je reviens sur mes pas par là. Ah non, même pas. J'aurais cru pourtant. Par ici. Tess, par ici. Cocktail Molotov, oui. Ah, peut-être la lettre. Là, et on vient de là-bas, donc c'est bon. Prête. Oui. Non, c'est une lettre. Ouais. Oh. Je me souviens de cette mission, oui. Ok, Joël, je couvre nos arrières. Et quoi qu'il arrive, tu restes sur ses talons. D'accord. Ouvre l'œil. Ça marche. Bon, voilà, les amis. On va en arrêter là. On va arrêter là pour aujourd'hui, je pense. Hein, pour la deuxième vidéo. On va se retrouver très prochainement, je pense, pour la. Troisième vidéo, du coup on affrontera les claqueurs et vous risquez peut-être d'être déçu à un moment dans la troisième vidéo parce qu'il va avoir quelque chose que je ne vous dirai pas, bien sûr. Vous découvrirez ça dans la troisième vidéo. Donc sur ce, bah, si la vidéo vous a plu, bah, laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et je vous souhaite un bon gaming à tous, et ciao tout le monde.